Oh les gars, plus sérieusement, je pouvais pas prendre les vidéos comme ça sans vous parler du Z-Event. Ça a été une dinguerie. C'est parti. 10 millions d'euros. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas ce que c'est le Z-Event, c'est un événement caritatif organisé par Zerator tous les ans, où il y a plein de streamers qui se rassemblent et ils essayent tous ensemble de récolter des fonds pour une asso. Cette année, ça a été Action contre la faim. Franchement, j'étais choqué, gros. C'était waouh, frère. Mec, tu vis les moments, En fait, c'est des moments mémorables. Clairement, dire qu'on y était, en fait, tu vois. Et les amis, ils ont explosé les records, mais dans tous les sens, hein. Dans niveau fonds, nombre de specs, tout a explosé. Premièrement, ils ont atteint les 10 millions d'euros sur la cagnotte globale. Ils ont battu deux fois dans la même soirée le record de viewers en France. Depuis, du coup, les amis ont récupéré deux threads. Le premier qui est de Léo et le deuxième qui est de Nathan. Et franchement, j'ai vu les likes, j'ai vu vite les réponses. Ça a l'air d'être une master classe, hein. Et du coup voilà, déjà il y a un clip les gars, il faut savoir que j'ai regardé au moins 11 fois. C'est le clip là, le retour à la réalité. Oh je l'ai vu, j'ai pleuré de rire, j'avais les larmes aux yeux. Je vous laisse regarder, j'arrête de parler, je vous laisse regarder. Allez c'est parti. Parle en français, fais tout. T'es grand maintenant, t'es grand toi aussi. T'es grand. Et Dogby va péter la barre. Ouais. Non tu vois, le fait de voir. Tu vois, ça se fait pas de rire des malheurs des autres, tu vois. Oh, mais Dogby, comment tu t'es gamelé, frérot. Non, mais là, mec, je pouvais que pleurer de rire, gros. C'était trop drôle. Pétez la barre. Regardez. Ouais. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, lui, c'est une masterclass. Masterclass. Hey, y en a encore plein d'autres comme ça. Hein. Billy sort de nulle part. Alors, lui, frérot, lui, masterclass. Ah, tu sais que je l'ai vu. J'ai cru qu'on était dans SNK, frère. Il est sorti de nulle part. C'est un screamer, le boug. Non, sérieusement, regardez. Venez ici, ouais, regardez. Venez ici. Regardez juste la démarche qu'il a. Non, c'est trop. Mec, c'est le titan cuirassé, gros. Avant de défoncer le mur Maria, il est arrivé comme ça, gros. C'est la même, hein. Tu rajoutes un OST de SNK, c'est la même chose. Venez ici, ouais, je vais. Venez ici. Venez ici, ouais. Mec, ça n'a aucun sens. Tu vois, en fait, les clips qui n'ont aucun sens comme ça, c'est ceux qui sont plus drôles tout le temps, tu vois. Dwagby se fait balayer par Inox. Alors, celle-là, oh, quand je l'ai vu. Là, du coup, comme on voit, il y a Inox qui est par terre. Avec Dwagby qui fait une petite célébration, tu vois. Et là, il se relève. Il directement. Se relève. Oh putain, c'est pas terminé. Il fait c'est le Gersagan. Terminé, les gars, les dons, ça ah, ça va être une dinguerie. Hein. C'est pas bon. Après là. Le Gersagan. Les dons. Paf. Les dons. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mec, la c'est... prise de carte. Je crois que Dogby, le pauvre, il a dû tellement. Mec, le nombre de fois que je l'ai vu par terre, gros, c'est n'importe quoi là. Encore une fois, la même vibe. Mais l'OST de One Piece sur ce clip, je vous jure que ça passe. Alors, à la fougaise, Inoxtag en un coup. Mais c'est un chaos. En un coup. Il se relève. C'est pas terminé. C'est pas terminé les gars, les dons ça défile plus. C'est pas bon là. Les dons. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La prise de cap. La sirène friendzone Inox. Alors lui aussi je l'ai vu et j'étais pas prêt pour ce qu'il... Je voulais se voir. Je voulais se voir franchement. Enemy, we are not friends. Ah. We are friends or we are not friends? On est amis, ouais t'inquiète, on est amis. Ah par contre, waouh. Ah mais lui aussi il a dû se faire tellement mal pendant Z-Event gros. La frayeur d'Inox, alors c'est bizarre pendant Z-Event, dès qu'il y avait un joueur ou un streamer qui faisait on va dire un jeu d'horreur, c'était la fin pour lui hein. Tous les streamers venaient essayer de lui faire des petites frayeurs derrière et celle-là, je l'avais vue, incroyable. Non mais là, incroyable. Oh là là, ça mec, c'est que c'était... Mais tu sais que ça mec, c'est la pire chose hein. Déjà quand je joue à un jeu d'horreur, j'ai trop peur, tu vois. Je sais pas, t'es dans une ambiance creepy un peu, tu vois. Mais normal. Billy rentre en scout avec Amine. Alors celle-là je l'ai vue et j'arrivais pas à y croire au mec frère, c'est la plus grosse masterclass que j'ai pu voir. Mais regardez-moi cette entrée. Regardez-moi cette entrée mec. Chapeau, petite oui. Veste. Il y a Amine derrière. Mais quel en fait depuis le début. C'est quoi cette dex gros? Wesh. Oh non frère. Wesh. Oh là là, oh non mais cette entrée, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est une entrée, tu peux pas l'oublier, tu vois. Elle est marquée à vie dans ton esprit, tu vois. C'est trop. Mais je vais péter un plomb. Oh, il ramène son scooter aux aider. Mec, je crois que c'est vraiment le premier à avoir fait ça. C'est qui toi? En vrai, ce qu'il me fait, c'est qu'il y a derrière, il tire Amine derrière avec un petit vélo et un petit casque. Mec, ça n'a. Il y a aucun sens encore une fois, tu vois. Oh là là. Oh là là, c'est trop. Je sais pas si les joueurs ils ont tilté à ce moment là ou pas. Ils ont tilté ou... Ah oui, bah oui, là oui. Là oui, bah oui. Là tu... Et regardez, et c'est pas fini hein. Regardez Ami comment il va se casser la gueule là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Heureusement il avait le casque en vrai hein. Parce que là frère, il se mange le mur là sans le casque. Oh j'ai fait l'arrêt sur image parfait là. Il est parfait cet arrêt sur image. Pour moi ces deux là c'est les personnes qui ont carry le plus le Z-Event hein. Ah non mais là c'était... Les deux là c'était masterclass hein. T'en as un là qui débarque en scooter aux Z-Event. T'as l'autre là qui se prend le mur. Amine lui il a carrément oublié de mettre son lien de donation. Il a mis son lien à lui au lieu de mettre celui du Z-Event. Tu veux dire que pendant le début du Z-Event la thune est partée chez lui. Voilà c'était lui. T'as vu c'était écrit 30 euros. C'était lui gros. C'était un test. Ah merde.
Je te rends compte, t'es là, tu fais un live caritatif, tu t'oublies de mettre le lien, c'est pas de ta faute, toi, genre on t'a mal expliqué ou quoi. Du coup, t'as encore ton lien de donation à toi. Et du coup, j'ai dit, ouais, pourquoi ma cagnotte elle monte pas, tu vois. Et là, t'as. Et là, tu te rends compte que depuis. Voilà. Pour l'instant, les dons, c'est toi qui les reçois, je crois. Mais non, non, c'est non, que là, non, j'étais non, mort de rire. Le lien dans sur Twitch. Mais oui, je l'ai fait avec Isaac. Non, 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 les gars, écoutez. Mec, c'est la. Oh là là, frère, c'était trop drôle. Là, il a capté, là, tu vois. On voit à sa tête qu'il a capté que c'était la sauce. C'est pas le volet, attends. Oh le rat. Oh le rat. C'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Ils ont mal expliqué. Bah ouais, non, c'est trop, frère. Oh là là, je suis François Fillon. Ah non, c'est que mec, ça m'arrive. Je suis en giga stress. Non, c'est pas bon. Regarde Streamlabs. Bah ouais, c'est oh là là. Oh là là, frère. C'est Rator, il va, je vais finir en prison, moi. Non mec, incroyable, incroyable. Et ce clip là, c'était l'un des premiers je pense que j'avais vu aux events. Billy se prend une olive par Inox. Alors celle-là je l'ai vu, ça m'a fait trop penser à comment ça s'appelle, à Naruto. Regardez-moi cette dinguerie. On est dans Naruto. Là là. C'est Naruto. Oh, wesh, il le lâche pas, wesh. Oh mais ce screen là, il est légendaire. Écoutez-moi bien, il est vraiment légendaire. Oh, il l'a pas lâché là. Billy qui raquette les gens. Oh, celle-là je l'ai vu. Oh oui, ah bah c'est avec Michou en plus, parfait. Regardez ouais, bien. Vas-y, 500 balles, ça part. Et let's go, je te laisse ton cadeau mon ref. T'as l'air d'être pressé de partir. Ouais, j'ai une envie pressante, faut que j'aille à Ouais, ouais. Mais je reviens ultérieurement. Dans la boîte qu'il a pris, Miskin l'a pris le truc de tout le monde. Il y a un papier, il y a écrit ça, on t'a bien baisé. C'est le... Les gars, j'ai payé 500 euros pour ça. Oh là là. Attendez, il y a un mot. Ça, on t'a bien baisé mon ref. Mec, 500 balles pour ça. Eh, c'est une idée de génie par contre. Payé 500 euros là. Eh, c'est une idée de génie. Non, franchement, Billy, mec, frère. Gros, mec, ça c'est la masterclass, gros. Le premier c'est. Haha, le coup de pression. Alors, lui, oui, je m'en rappelle. Je sais pas s'il était vraiment réel. Si c'était réel ou si c'était fake, mais frère, il était incroyable. Hey ouais. Anonymous, merci, merci Alex. La Daran à Enox à foot corner, let's go. T'invente là. J'ai pas vu celui-là. C'est trop frère, c'est trop. Oh lui aussi. Un truc oh, lui a explosé aussi. Derrière nous. Les refs, après ça. Non, j'allais dire. Mec, un IQ. Hey, souffle-moi dans l'oreille. J'allais dire. Non, mais. Après notre coup bas. Non, mais là, j'ai exprès, c'est pas possible, frère. Non, mais là, c'est pas possible, gros. On est dit dans l'oreille, il a encore le micro. Mais frère, non, il fait exprès, frère, c'est trop. Mais ça reste très très drôle. Ah non, mais là, frère. Ok, bon, vas-y, qu'est-ce qu'on a là. Il me dit un truc ce clip. Ça part en grand écart là. Oh, c'est le pantalon qui a craqué. Oh, c'est le pantalon qui a. Écoutez ouais, bien. Je... Oh, ça a craqué. Ah, c'est le putain, il a craqué. Non, mais frère. Ah, le putain, il a craqué. Je vais voir, moi. Attends, fais voir. Attends. Non, c'est trop, c'est trop. Fais voir. Oh, y'a pas. Non, c'est trop. Comment il s'est éclipsé à la fin? Bah, tu mets en même temps, mec. Ton pantalon il craque devant tout le monde. Oh, il s'est taillé comme un voleur. Get. Oh là là. C'est un fromage, hein. C'est un fromage, hein. Oh non. C'est vraiment. Il joue avec un tableau qui a pris 3 heures à être fait là. Ah non, mais oui, je m'en rappelle. C'est bon. J'ai un petit. Oh là là, frère. Oh là là. Oh, il l'a. Il lui a fracassé contre le crâne. Hein. Il faut. Là, on peut clairement utiliser le mot fracassé parce que c'est vraiment le cas. Là. Moi, personnellement, je kifferais trop y être. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'espère. Peut-être que. Les gars, on sait pas. Hein. Peut-être 2022, j'y suis. On sait pas. On verra. Tout peut changer en un an. Peut-être qu'il va se passer des dingueries. On sait pas. Pour l'instant, moi, je dis rien. J'espère entrer que ça va être une dinguerie. Que j'y sois ou pas. Même si j'aimerais quand même y participer, tu vois. Ça a l'air quand même incroyable comme un homme.